Bonjour, c'est Wallace, Wally, chers amis, et c'est le troisième épisode de Torment, Plan Escape Torment, avec son nom et Morty. Donc, le troisième épisode, c'est la refonte du troisième épisode filmé sur portable. Voilà. Il y a encore deux autres normalement à refaire et ensuite ça va cadrer. Il y en a un troisième peut-être car j'ai une vidéo où le son est très désastreux. C'est l'époque où j'ai changé de casque après ça. Voilà. Et la playlist sera réparée. Et on pourra, espérons-le, poursuivre. Alors, donc nous sommes arrivés chez Dal. Alors, ce scribe a l'air très âgé, sa peau ridée a une légère teinte jaune, tel un vieux parchemin. Ses yeux gris foncés brillent au milieu d'un visage anguleux et une grande barbe blanche tombe telle une cascade sur sa robe noire. Il a le souffle court et saccadé, mais même ses quintes de toux occasionnelles ne ralentissent pas la cadence de sa plume sur le parchemin. Death Note, quoi. Bonjour. Oh là là, chef, qu'est-ce que tu fabriques? Bah, j'allais parler à ce scribe. Il sait peut-être comment je me suis retrouvé ici. Alors écoute, branler ton atelier avec les hommes poussières, c'est bien la dernière chose à faire. Avant que Morty finisse sa phrase, le scribe tousse violemment. Après un moment, ça tout se calme et la respiration du scribe reprend son sifflement saccadé. Hé, on devrait surtout pas échanger la chanson avec ces malades d'hommes poussière. Allez, on y va. Plus vite on se sera tiré de cet endroit, mieux. Mais voilà que Morty ne finit pas sa phrase. Les yeux gris du scribe se posent sur nous. Le poids des ans se fait lourdement ressentir, le sans-repos. Ah, c'est le même que dans Fort Boyard. Il pose sa plume. Mais je ne suis pas encore atteint de surdité. Ok, le sans-repos. Connais? Si je te connais, je. Il y a de l'amertume dans la voix du scribe. Hein. Je ne te connais pas, le sans-repos. Pas plus que tu ne te connais toi-même. Ouais, c'est pas fou. C'est tout le sel du personnage. Il reste un moment sans rien dire. Car tu l'as oublié, n'est-ce pas? Ok, qui es-tu? Comme toujours, la question. Et la mauvaise question, comme toujours. Ah, ça fait plusieurs fois qu'il vient là. Dal s'incline légèrement, mais ce mouvement lui donne soudain une quinte de toux. Il s'arrête un instant pour reprendre son souffle. Je m'appelle Dal. Tu peux peut-être répondre à quelques questions pour moi, Dal. J'ai mis mon journal à jour. Très bien. Que désires-tu savoir? Qu'est-ce que c'est que cet endroit, déjà? Tu es dans la morgue, le sans-repos. Tu es
Revenu. Ouais, c'est ça. Donc, comme je l'avais expliqué précédemment, avant d'avoir pu finir, Tal est pris d'une canne de toux. Après quelques instants, il se calme et sa respiration reprend son sifflement saccadé. Voici la salle d'attente pour ceux qui sont sur le point de quitter l'ombre de cette vie. L'ombre de cette vie? Oui, une ombre, tu comprends, le sans-repos. Cette vie, elle n'est pas réelle. Ton existence ou la mienne ne sont que des ombres vacillantes de ce qu'était autrefois la vie. Cette vie, c'est là que nous finissons après la mort. Et c'est là que nous restons piégés. En cage. Jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la vraie mort. Ah ouais, c'est très bizarre ça. Qu'est-ce qui te fait croire que cette vie n'est pas réelle? Qu'est-ce qui te fait croire que cette vie est vraie? Regarde en toi, tu ne sens pas qu'il manque quelque chose? Dal secoue la tête. Alors il part de l'endroit ou de lui? Ici, c'est un purgatoire. On n'y trouve que le chagrin, la douleur, les tourments. Ce ne sont pas les éléments qui constituent la vie. Ils font partie de la cage qui nous retient prisonniers de cette ombre. Et on verra qu'il y a pire comme endroit. Je crois que ton fatalisme a eu raison de toi. Ces choses font partie de la vie, mais pas toute la vie. Dal secoue la tête. Les passions sont un véritable fardeau. Nombreux sont ceux qui leur doivent de se retrouver enterrés dans cette ombre de vie. Tant qu'on se cramponne à ses émotions, on renaît continuellement dans cette vie, souffrant éternellement, sans jamais connaître la pureté. Oui, ça par contre je lis pas la suite. Je comprends que dalle, hein, faut dire. Ok, les tourments, c'est le titre. Hein. Ok, quelque chose de vrai, mais. Enfin, de vrai. Dans le jeu, hein. J'insiste. Je vois. Comment échappe-t-on au cycle de la renaissance bouddhiste pour atteindre cette chose-là? Débarrasse-toi de tes passions et de ton besoin de sensations. Lorsque tu seras complètement nettoyé, le cycle de la renaissance prendra alors fin. C'est bien de lui, hein. Ça signifie qu'il est immortel, mais pas dans le sens connu. C'est-à-dire, il peut se faire tuer. Il y a un souci là. Alors, je reprends. Alors, je disais, alors, il est immortel, mais il peut se faire tuer, en fait. C'est pas un immortel où, quoi qu'il arrive, il reste vivant. Non, il peut se faire tuer. Sauf qu'il renaît. Voilà, il se régénère. La régénération se poursuit, le ramenant à la vie.
Et donc c'est de ça qu'il parle. Le cycle de renaissance prendra leur fin. Et la paix pourra enfin s'installer. Voilà ce qu'il dit. Dal émet un soupir, tel un rat d'agonie dans sa gorge. Au-delà de la carapace qui nous enferme de la frontière éternelle, gît la paix que toute âme recherche. La frontière éternelle. La frontière entre l'ombre de cette vie et la vraie... Enfin, les mortels, enfin, morts-vivants, zombies, un peu des deux. Ok. Bien, bah, dis-moi plus sur la morgue maintenant qu'on a vu Justice. Hein. C'est ici que l'on apporte les morts qui doivent être enterrés ou incinérés. Il est de notre devoir, en tant qu'homme poussière, de nous occuper des morts, ceux qui ont quitté cette ombre de vie et pris le chemin de... Enfin, voilà, de la vraie... bref, Dal baisse le ton. Il se fait du souci... pour nous. Tes blessures t'ont fait payer un lourd tribut. Si tu ne reconnais pas ce lieu, c'est presque chez toi. Ouais, donc c'est la conséquence de ces renaissances. Il perd la mémoire, donc il se rappelle pas ce qu'il a fait avant. C'est pas une vraie amnésie parce que il va se balader pendant des années sans que rien ne lui arrive, donc il se rappellera de ce qu'il a fait hier, etc., etc. Mais dès qu'il subit donc bah, une mort, hein, écrasé par un chariot, un truc comme ça, il va se régénérer, il va renaître, mais sans la mémoire, donc sans tout ce qu'il a vécu avant, dans la vie précédente. Voilà, c'est comme une réincarnation, quoi, dans un même corps, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je reprends. Alors. Les blessures? Oui, les blessures qui rendent ton corps. Il semble qu'elles auraient envoyé un simple mortel sur le chemin de la vraie mort. Mais on dirait que beaucoup d'entre elles ont déjà cicatrisé. Dal tousse violemment, puis se calme. Mais ce ne sont que des blessures visibles. Comment ça, des blessures visibles? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai mis mon journal à jour. Ouais, je comprends que dalle. Je parle des blessures de l'esprit. Tu as oublié bien des choses, n'est-ce pas? Peut-être que tes véritables blessures sont bien plus profondes que les cicatrices que tu portes à la surface. Dal, tous de nouveau. Mais c'est quelque chose que tu es le seul à savoir. Je vois, j'ai d'autres questions. Comment j'ai atterri ici? Dal grogne de mépris. Comme s'il trouvait ce souvenir répugnant. Ton chariot moisi t'a conduit jusqu'à la morgue, le sans-repos. On aurait dit que tu étais un roi soutenu par ses sujets, empestant et suppurant sur le chariot qui t'a mené ici.
J'ai atterri, ici, en chariot. J'ai mis mon journal à jour. Oui, ton cadavre était au milieu d'un tas et échangeait ses fluides avec les autres corps amoncelés. Dal est repris d'une violente quinte de toux. Enfin, il reprend son souffle. Ton sénéchal, Farod, était comme toujours heureux d'accepter quelques malheureuses pièces pour porter ce tas devant l'entrée de la morgue. C'est qui, ce Farod? C'est un récupérateur. Il ramasse les morts, les cadavres. Si, Dal à l'anel, puis continue. Dans cette cité, des personnes ramassent les corps de ceux qui ont pris le chemin de la vraie mort et nous les ramènent afin qu'ils soient enterrés comme il se doit. On dirait que tu n'apprécies guère Farod, non? Il y en a certains que je respecte de son repos. Dal, Anel, puis se calme. Farod n'en fait pas partie. Il porte sa mauvaise réputation comme une médaille d'honneur et prend certaines libertés avec les biens des morts. C'est un chevalier de la gueuserie qui commerce des ordures de la pire sorte. Oh putain. Un chevalier de la gueuserie? Un chevalier de la gueuserie. Un escroc. Un escroc. Tous ceux que Farod apporte dans ses murs sont dépouillés de peu de dignité qui leur restait. Farod s'empare de tout ce qu'il peut arracher à leurs doigts crispés. Et ce Farod m'a pris quelque chose. Dal s'arrête et réfléchit. Et très probablement, te manque-t-il quelque chose de valeur? Sa voix tombe et il fronce les sourcils. Farod ne ferait aucune exception, à moins que la chose ne soit greffée directement dans ton corps. Et parfois, cela ne suffit pas à calmer son esprit vorace. Eh bien, j'ai perdu un journal. Un journal, s'il a de la valeur, il doit se trouver entre les mains de Farod. Il a de la valeur, mais pas en argent. Où est-ce que je peux trouver ce Farod? Si rien ne change le sans-repos, il y a plus de chances que Farod te trouve et te ramène à nous avant que tu ne découvres dans quelle mare boueuse il se vautre à cet instant. Oui, mais je dois le trouver. Ne cherche pas Farod sans repos. Préviens Dal. Je suis sûr que tout recommencera encore. Toi, tu n'en seras pas plus avancé. Et Farod sera plus riche de quelques pièces de cuivre de plus. Accepte la mort sans repos. Ne perpétue pas ton... reprend avec son truc là. Je dois le trouver. Tu sais où il est? Dal reste silencieux. Puis il reprend la parole, semble-t-il, à contre-cœur. Je ne sais pas dans quel coupe-gorge Farod a établi son repère, mais j'imagine qu'on peut le trouver quelque part, passer l'entrée de la morgue dans la ruche. Là-bas, quelqu'un sera peut-être en mesure de te dire où il se trouve. Ouais. Il faut aller dans la ruche. Hein, merci. J'ai d'autres questions.
Alors, tu m'expliques comment on fait pour sortir d'ici? L'entrée principale est la sortie la plus évidente, mais il ne laisse percer personne, à part les hommes poussières. Dahl est pris d'une quinte de toux violente, puis il continue. L'un des guides de l'entrée principale a une clé. Mais ça m'étonnerait qu'il t'ouvre, à moins que tu ne te sois extrêmement persuasif. Ouais. Ok, j'ai d'autres questions. Donc, un des gardes a la clé. Ouais. Il y a un autre moyen. On verra plus tard. Enfin, si vous avez lu les épisodes au portable, vous savez déjà. Mais on verra donc plus tard. Alors. Ah oui, tu tousses, ça va pas? Je me rapproche de la vraie mort, le sans-repos. Bientôt, je traverserai la frontière éternelle et je retrouverai la paix que j'ai toujours recherchée. Je suis fatigué de cette sphère mortelle. Dahl lâche un râle. Les plans n'ont plus aucun secret pour quelqu'un comme moi. Ah vraiment? Je devrais pouvoir trouver un moyen de t'aider. Je ne désire ni vivre éternellement, ni ressusciter le sans-repos. Je ne le supporterai pas. Moi, ah, très bien. Très bien, très bien. Et t'as l'air de bien me connaître. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis scribe. J'ai répertorié toutes les dépouilles qui arrivent à la morgue. Dahl tousse de nouveau, puis inspire profondément. Tant que le flot de cadavres passera par la morgue, je resterai à mon poste. Ouais. Tu as dit que ce n'est pas la première fois que je retrouve ici. Que je me retrouve ici, alors pourquoi les hommes poussières ne me reconnaissent-ils pas? Ah ouais, tiens. J'ai mis mon journal à jour. Je suis celui qui classe les dépouilles qui arrivent dans nos salles. Le sans-repos. Hein, lui seul est au courant. C'est un allié, quoi, en fait. Un ami. Dahl est pris d'une quinte de toux, puis se calme. Je suis le seul à voir les visages de ceux qui reposent sur nos dalles. Les noirs secrets de ton existence sont en bonne main avec moi. Oh. J'ai d'autres questions. Alors, dans ce cas, sais-tu qui je suis? J'ai mis Ouais. mon journal à jour. Je te connais peu, le sans-repos. Je ne connais pas beaucoup plus ceux qui ont voyagé avec toi et qui reposent aujourd'hui sous notre garde. Donc ça, c'est avant. L'existence d'avant. Qui parle. Dahl soupire. Je te prie de ne plus demander aux autres de se joindre à toi, le sans-repos. Partout où tu vas, la souffrance t'accompagne. Garde ton fardeau pour toi. Bon, d'accord. D'autres ont voyagé avec moi et ils sont ici? J'ai mis mon journal à jour. Je ne connais pas le cadavre de la femme enterrée dans la salle de commémoration. Ah merde. Ouais, tu ne connais pas. Je pensais qu'elle avait voyagé avec toi dans le passé. Ouais. Dahl semble prêt à tousser, puis il reprend son souffle. Est-ce que je me trompe? Jamais entendu parler d'elle, hein? Dahl ne répond pas.
Il se contente de t'observer, de nous observer en silence. Où est-ce que je peux la trouver? Dans la salle de commémoration du Nord-Ouest, à l'étage en dessous. Vérifie les cercueils. Son nom doit figurer sur l'une des plaques commémoratives. Peut-être que ça te rafraîchira la mémoire. Peut-être. Je ne sais pas. Je me souviens pas d'avoir voyagé avec une femme. Dalle ne répond pas. Est-ce qu'on... Ouais. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait d'autres enterrés ici qui avaient voyagé avec moi. Où sont-ils? Je suis sûr qu'il doit y en avoir, mais je ne connais ni leur nom, ni leur emplacement. Un être tel que toi a quitté le chemin que beaucoup ont suivi et auquel ont survécu. Dalle gesticule autour de toi. Tous les morts viennent ici. Certains d'entre eux ont dû voyager avec toi. Alors je vais essayer de les trouver. Peut-être qu'ils raviveront ma mémoire. Merci, Scrim. Bah, on va se tirer, hein. Mais il y a Dalle qui parle. Chasse une chose. Je ne t'envie pas le sans-repos, mais réincarner ainsi serait une malédiction que je ne supporterais pas. Tu dois l'accepter. Un jour, ton parcours te ramènera ici. Dalle tousse. Ses paroles s'étranglent dans sa gorge. C'est le sort de tout ce qui est fait de chair et d'os. Alors, on se reverra peut-être, Dalle. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à faire? Donc, on a fini. Le numéro 1094 est gravé sur le front de ce cadavre errant. Ses lèvres sont cousues et l'odeur chimique de formol frais flotte dans l'air sous la forme d'un nuage. Malgré ses formes floues et son vie et ses yeux laiteux, ce corps devait être autrefois celui d'un beau jeune homme. Très bien. On a tout fait, hein, me semble. L'odeur de formol qui se dégage de ce cadavre de femme est particulièrement forte. On a dû l'appliquer récemment. Heureusement d'ailleurs, car le cadavre semble avoir atteint un stade de décomposition avancé. Sa mâchoire manque et la chair a en partie disparu du crâne, laissant apparaître le numéro 1072 buriné à l'os. Ok. J'y vais. Très bien. Bien. C'est fait. Nous sommes dans une nouvelle salle. Employé zombie. L'impressionnant cadavre se dresse dans un coin
de la pièce face au mur. L'homme était manifestement jeune et solidement charpenté. S'il faut en croire l'état de sa dépouille, il est mort récemment. Le numéro 1664 a été récemment cousu sur son front. Ce zombie a l'air de faire office de bibliothécaire, en jugé par le nombre de livres qu'il porte. Voyons voir ses livres. Ces livres semblent être de vieux registres de la morgue qui ne présentent pas le moins d'intérêt. Toutefois, en le feuilletant, tu remarques une feuille volante coincée entre deux d'entre eux. Et tu as le sentiment que quelqu'un l'a glissée là pour la cacher. Prends la page. Objet acquis. Cette page ne semble pas avoir été arrachée à l'un des registres, mais plutôt à un carnet. La déchirure est nette, ce qui indique vraisemblablement qu'elle a été sciemment découpée, par exemple à l'aide d'un couteau. Alors, nous prenons le temps de lire cette page. Il s'agit d'une liste de corps apportés à la morgue et conservés à la réception. Les diverses entrées concernent des arrivées plutôt récentes. Voyons ça. Voilà la page. Cette page a manifestement été arrachée à un livre. Elle est couverte de pattes de mouche. 16537. Cinquième nuit. Ivrogne. Blessure à la poitrine. Cause du décès. Mutilation. Abishai. Récupérateur. Variole. Prix. 3 communs. Aucune possession matérielle. Ah, Farod, 16538, cinquième nuit, cadavre desséché, cause du décès impossible à déterminer, identification impossible car mort depuis trop longtemps. Ah là, c'est nous ça. 16539, cinquième nuit. Dépouille couverte de cicatrices. Cause du décès, impossible à déterminer. Cicatrices apparemment pas responsables. Traumatisme. Récupérateur, Farod. Trois communs. Possession matérielle, ah voilà. Fer de poing, 13 communs. Table centrale, réception. Intéressant. Donc on irait récupérer ce qui nous appartient. Le reste, voilà, c'est d'autres. Voilà, intéressant tout ça. Ok, alors il y a le journal. Ok. Alors dans le prochain épisode, on fera un résumé de ce qui a été dit. Je pense qu'on va bientôt finir l'épisode. Evain, c'est la prochaine personne avec qui on discutera. J'y vais. C'est fait.
C'est fait. Très bien. Un bandage. C'est fait. C'est fait. Le mort-vivant, couvert de cicatrices, va et vient entre deux tables. Le numéro 506 a été cousu sur son front, sur le côté de son cou et en bien d'autres endroits encore. Tant de lambeaux de chair lui ont été rajoutés de part et d'autre qu'on dirait une carte de la ville en trois dimensions. Les points de suture on examine. Les coutures font tout le tour du cadavre, depuis ses bras jusqu'à sa poitrine, en passant par son cou et ses cheveux blancs et humides. En suivant les nombreux tracés dessinés sur les points, tu t'aperçois que quelqu'un a planté une aiguille dans son front. Le fil qui a servi à recoudre la tempe y est encore attaché. On va lui ôter. Coupe les points de suture à l'aide du scalpel, puis ôte le fil et l'aiguille. Voilà, un petit peu d'expérience. Ok, on coupe le fil avec du scalpel, on ôte l'aiguille et on défait les points. On remarque le lambeau de chair qui recouvrait le front, qui s'écarte de lui-même pour révéler la boîte crânienne du cadavre. À notre grande surprise, le numéro 78 a été gravé au burin dans la partie frontale du crâne. Faudra s'en rappeler. Attends, on va faire une note. Voilà. Alors, il y a un autre. Un autre zombie là qui c'est fait. Je sais pas où il est. Très bien. Je sais pas où il traîne. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Ah, on a récupéré une aiguille, c'est bien. Est-ce que c'est lui là? J'y vais. Hein? C'est fait. Attends, là. Ouais, ça, si on le connaît. Le cadavre 985 s'est arrêté. S'il faut en juger par l'état de sa jambe gauche, la putréfaction ou une sorte de moisissure lui a rongé la rotule. Il tangue d'avant en arrière et fait de son mieux pour conserver son équilibre. Chef, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. La jambe gauche du cadavre craque soudainement et il s'effondre comme un arbre mort. Son torse explose comme un melon trop mûr en heurtant les dalles de pierre
et une substance qui s'en échappe. À ta grande surprise, personne ne semble s'être aperçu de la chute du zombie. Plus étrange encore, le bas de sa jambe gauche est toujours là, bien droit. Au bout de quelques instants, le mollet tombe à son tour dans un bruit sourd. Voilà, intact. Il s'est séparé du torse pendant la chute et il ne semble pas atteint par la pourriture comme le reste du corps. Oh putain. C'est fait. C'est une arme, une massue, un 6 contendant. Ça c'est perforant. Ouais. Bon, déjà ça. Ok, bah là-dessus on va se quitter. Voilà, c'est la fin du 3e épisode. Je comprends que dalle. Voilà, ça résume bien. Voilà, c'est la vraie introduction, on va dire, des aventures de son nom et de sa bande de copains. Et voilà. Donc la prochaine fois, nous causerons avec Yvain et elle va nous donner quelques petites quêtes sympas. Voilà. On va commencer à se balader un peu mieux, quoi. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, donc filmé. Et ben je vous dis à bientôt. À bientôt les amis. Merci.